Donc, salut à tous les amis, c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 34 sur notre Let's Play modé. Ah non, sur pas notre Let's Play modé, sur notre série modée sur le mode pack Sky Factory 3. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un peu sur Draconic Evolution et compléter un peu le livre d'achievement en faisant notamment le stockage d'énergie de Draconic Evolution. Il nous demande de faire le tier 6, on va essayer de faire le tier 6 avec toutes les ressources, j'ai regardé, on a à peu près toutes les ressources. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec notre beau bonnet de Père Noël, parce qu'on a un bonnet de Père Noël, parce que c'est les fêtes de Noël en ce moment, et donc on a un beau bonnet de Noël. Allez, c'est parti, je vais remettre mon casque, comme ça va cacher le bonnet de Noël, et nous on va commencer les crafts. Ok. Alors si on regarde le livre d'achievement, il nous demande de build a tier 6 energy core. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Si on regarde dans le livre de Draconic Evolution, si on fait Draconic Evolution, energy storage core, le tier 6 peut contenir 356 billions de RF. Donc c'est déjà énorme. Et pour voir comment on le fait, quelles ressources il nous faut pour le faire, on regarde ici, et tier 6, il nous faut un énergie core, 36 énergie core stabiliseur, 150 draconium block, 178 redstone clock. Pourquoi clock? Donc, ces deux choses-là, je les regardais, on les a. Il faut qu'on fasse donc un énergie core et 36 énergie core stabiliseur. Alors, c'est parti. Et énergie core stabiliseur. Il nous faut ça. Pour ça, il nous faut ça. Core. 36. C'est parti. Il va me les faire. Il va nous falloir aussi un énergie core. Comme ça. Il va... Ouais. Bon, on devrait avoir assez. On va déjà se faire les stabiliseurs. Et après, on verra. Alors, vous allez voir que ceux qui connaissent Draconic en 1.7.10, elle a donc été modifiée en 1.10 et son energy storage block a été un petit peu modifié aussi. L'interface, mais aussi toutes les autres choses. 34, il nous manque quoi? Des redstone. Tac-tac. Voilà. Ensuite, avec ça, on peut se faire les energy core stabiliseurs. Touc! Voilà. 36 Energy Core Stabilizer. Maintenant, l'Energy Core. Pour ça, il nous faut un Wyvern. Donc, si on regarde le Wyvern, j'en veux un. Tac. Il me faut 2 Wyvern Core. Et 2 Wyvern Core. Tac. Et ensuite, ça, on va attendre la suite. Les Energy Pylon, on les fera après. On les fera après. Draco. Fais-moi du draconium, il me manque. Touk, énergie core, ok. Jusque là, on est d'accord. Maintenant qu'on a ça, on va se placer ici. J'ai envie de le mettre là, voilà. On va faire tier up, on va aller dire tier 6. Builder guild activate. Alors on va casser tout ça. On va casser tout ça déjà. Oups. Voilà. En fait, c'est vrai que j'avais Vine Miner. J'aurais pu le faire. Et donc voilà à quoi va ressembler notre bouboule d'énergie. Elle va nous ressembler à ça. Donc déjà on a un petit build pattern qu'on n'avait pas avant. Et ça c'est plutôt agréable. Maintenant il va nous falloir les redstone blocks et les draconium blocks. Donc je les ai faits. Il vous faut 178 redstone blocks pour le tier 6 et 150 blocs de 150 blocs de draconium blocks. Pour le tier 6 aussi. Donc, on va commencer petit à petit. Si on regarde, Builder Guide active, qu'est-ce qui nous manque? Invalide. Error, unexpected, draconium, draconium block. Ok. Donc, on va commencer à faire un petit détour comme ça. Alors, si je me trompe déjà, ça va pas le faire. Voilà. Ici et ici.
Maintenant, si on regarde un peu, il faut qu'on fasse un carré autour de ça. Par contre, ouais, c'est assez perturbant. Ils auraient dû faire couche par couche. Ça aurait peut-être été mieux. Je sais pas. Voilà. Alors celui-là, on va le casser. Donc on a notre cube. Maintenant, on va refaire donc une petite construction comme celle-ci tout autour. Voilà. Ok. Faire ça au-dessus aussi. De toute façon, il faut toujours que ça ressemble à peu près à une sphère. À peu près. Hein. Tac, tac. Ok, hop, c'est parti. Mais ça, je vais pas faire d'ellipse, j'ai envie de le faire avec vous. Donc ceux qui trouvent que ça long, bah tant pis. J'ai envie de vous le montrer. Parce que des personnes recherchent comment on le construit. Et c'est toujours à peu près la même construction que par rapport à un 1.7. Sauf qu'il n'y avait pas de builder guide avant. Ok. On continue ça. Tac, tac, tac. Ok. Ok, voilà, ça c'est fait. Ici maintenant. Alors, les épisodes, je suis en train de les tourner un peu en avance. Parce que pendant les fêtes de Noël, je vais pas pouvoir tourner de vidéos et j'aimerais quand même vous proposer des vidéos. Du coup, c'est pour ça que je suis en train d'en tourner quelques-unes. Donc voilà. Hop. Ok. Bon. Du coup, ça c'est fait. Hop. On a bientôt fini notre nouvelle rangée de redstone blocs. On a encore à faire quelques coins. Voilà. Et nos trois derniers redstone blocks, c'est fait. Maintenant, c'est assez simple. On a juste à entourer tous les redstone blocks pour plus en voir. Donc, on peut commencer par le dessus. Tac, tac, tac. Ok. Voilà. Hop, on descend encore d'un rang. Si je le pose bien, ça serait mieux. Voilà. Touk touk. Et donc vous allez voir, c'est après que ça a été modifié par rapport à la 1.10, par rapport à la 1.7. On a un truc qui a été quand même modifié que je trouve plutôt cool. J'ai pu voir des screens. Mais de toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le livre. Ils ont modifié en fait les énergies stabiliseurs. Et ça, c'est plutôt pas mal pour les plus gros tiers en fait. Ça rend mieux. Et on peut activer et désactiver le réacteur, enfin le stockage d'énergie quand on veut. Et on peut vraiment tout voir, toutes les statistiques et tout. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'avant, on était un peu mis à la ramasse par rapport à ce qu'il produisait, enfin ce qu'il emmagasinait, ce qui sortait comme énergie. Fallait se débrouiller autrement. Ok, bon. Les derniers, et attention, le dernier bloc, c'est fait. Ok, donc là on a notre bouboule d'énergie, c'est cool. Jusque-là on est d'accord. Maintenant, il va falloir qu'on mette, voilà, les stabiliseurs. Donc les stabiliseurs, ils se mettent. Stabiliseurs, ok. On peut lire, donc ça, du tiers 1 au tiers 4, on a besoin que de 4 stabiliseurs. On les a 16 blocs, ok. Et ça va jusqu'à 16 blocs de range entre le corps du milieu et le stabiliseur. Et si c'est au-dessus du 4, il vous faut 9 stabiliseurs par endroit. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va dire, on va aller de 2, voire 3. Voilà, 3 comme ça. Au troisième bloc, on va mettre un stabiliseur. On va faire la même chose, donc on va le construire bien évidemment. Donc tac, tac. Ok, donc là on a un premier stabiliseur de fait. Et il faut qu'on fasse les quatre coins comme ça. Donc on va poser la cobble. Tac, tac, tac.
En fait, je devrais juste faire ça irait beaucoup plus vite. Tac, tac, tac. Ok. Hop, un autre stabiliseur de fée. On va faire la même chose. Voilà, il nous restera plus qu'un côté. Et tac, voilà. Et maintenant, ce côté-là. On peut casser la cobble. Hop. Et le dernier stabiliseur, c'est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est activate. Et là, regardez le système de stockage, la boule d'énergie est en fonctionnement. On peut lui amener de l'énergie, on peut lui enlever de l'énergie. Bon, là, il stocke aucune énergie, donc on ne peut pas trop lui en enlever. Mais on peut lui en apporter. Donc si on fait clic droit maintenant sur le stabiliseur, on a plusieurs choses. On a tout d'abord la capacité qui est de 356 billions. C'est énorme. Je pense pas qu'on aura besoin d'autant. Mais bon, c'est cool. Ensuite, on a la charge. Combien il stocke d'énergie? On a le pourcentage à côté. Et on a le truc important, c'est le transfert. Combien il transfère de RF? Et ça, c'est plutôt pas mal. On va se crafter maintenant deux autres choses. On va devoir crafter des énergies pylônes. Les énergies pylônes, alors il va nous falloir un corps. Ils vont nous être très très utiles. Hop, on va prendre ça pour amener l'énergie. Ce qu'il va nous falloir aussi, c'est du verre. Il va nous falloir deux verres. Voilà. Alors, la chose à faire, c'est de récupérer ces deux choses-là. On en a in. Un en in, un en out, on va voir, et on va poser ces choses-là. Donc, si on regarde ici, les énergies pylônes se placent aux extrémités de, enfin, on peut les placer en fait un peu où on veut, mais il faut qu'ils soient à côté du corps. Enfin, faut qu'ils soient, enfin, faut pas qu'ils dépassent 16 de range par rapport au corps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois. C'est prendre un peu le milieu d'ici, tac, et on se regroupe à un moment, voilà, et on tombe normalement ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose en fait de ce côté-là. Voilà. On fait la même chose. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. J'aime bien comment ça rend. Et donc voilà. Donc maintenant qu'on a ça, il faut passer un bloc de verre. Au-dessus de l'énergie pylône. Et là, vous voyez que c'est activé, c'est quand vous avez une petite sphère juste au-dessus. La petite sphère, vous pouvez faire clic droit dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici des flèches. Donc là, on voit que les flèches vont vers le cœur. Donc ça veut dire qu'ici, ça va envoyer l'énergie vers la sphère d'énergie. Si on refait clic droit, on voit qu'ici, les flèches vont vers l'extérieur du corps. C'est-à-dire qu'ici, on va recevoir l'énergie. Donc en fait, ce qu'on a à faire maintenant, c'est mettre un advanced, enfin une power cell. Et ici, on va regarder. Ici, on est en output. Donc si on est en output, il va falloir mettre ici en input. On voit maintenant qu'on transfère de l'énergie, tout simplement parce que regardez, il y a plein de petites particules qui vont vers l'énergie core. Et ici, normalement, on fait clic droit ici, on voit qu'on transfère 20 000 RF particles. 20 000 RF particles, pourquoi? Parce que ça, normalement, il doit être capé à 20 000 RF. Si je me souviens bien, celui-là il est infused, donc on peut pas savoir, mais celui-là je crois que c'est capé à. Si on regarde Power Cell, ils sont capés normalement à 20 000 RF particles. Je sais plus trop où on peut le voir. Statistique. Ouais, mais ouais, c'est ça. En plus, c'était marqué juste en haut. Regardez, on a énergie, on a le montant de l'énergie qu'on a, et entre parenthèses, 20 000 RF particles. Donc, ils sont capés à 20 000 RF. Faudrait qu'on les augmente pour avoir un peu plus. Et bon, voilà. Ici, du coup, on va se mettre en extract. Et ici, on va se mettre. Donc, là, maintenant, c'est stocké, c'est en extract. Regardez, il y a des particules qui vont vers la power cell. Donc, maintenant, on doit avoir de l'énergie à peu près partout. À peu près partout. Notre système de stockage ici a toujours de l'énergie. Si on regarde ici, on a toujours de l'énergie, même si c'est stocké ici. Ça baisse pas, ça augmente tout le temps.
Parce qu'on a ça en dessous. Après, qu'est-ce qui prend de l'énergie aussi? On n'a pas grand-chose en fait qui prend de l'énergie. Ça produit de l'énergie aussi. Ça et ça. Et le solar panel. Donc c'est plutôt cool. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a fait le tier 6. Energy Core. Si on regarde à combien on est. On est déjà à 0, enfin on est déjà, on est à 0,001% de charge. Et on n'amène que 9000 maintenant. Mais franchement, c'est plutôt cool comme système. J'apprécie énormément cette chose-là. On stocke déjà 6 millions de RF. Ça va nous faire un gros stockage d'énergie si on en a besoin énormément. Et ça, c'est plus trop cool. Tout simplement parce que dans notre livre d'avancement, ou livre de quête, je sais pas comment vous pouvez dire ça, on a une quête qui est remplir une draconique batterie. Donc c'est plutôt cool. Après, ils n'ont pas dit laquelle. On a fait la tier 6, on essaiera de remplir la tier 6. Et donc voilà. On a pas mal d'autres choses à faire. Kill Chaos Guardian, Chaos Dragon, Kill Fourth Chaos Dragon. Et voilà. Create Draconic Level Fusion. Fusion Crafter, c'est les levels d'au-dessus. Faudrait qu'on le fasse aussi, ça. Après, c'est quoi? C'est le Charm of Dislocation. Charm of Dislocation. Dislocation. Avancé dislocateur. Ok. Ça doit être ça. Ça, c'est cool. On va s'en faire une pour finir l'épisode. Vous allez voir, c'est très 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 utile. Alors, on a déjà ça, le dislocateur. Le dislocateur, on peut l'améliorer en mettant du draconium, un wyvern core. Alors, on va lui demander tout de suite de faire un wyvern core parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Il va nous falloir combien? 1, 2, 3 underpearls. 1, 2, 3 underpearls. Et après, c'est du draconium. Il nous en faut 4. 4 draconium. Ok. Le draconium, on peut en crafter pas mal. S'il nous en manque. Wyvern, est-ce qu'on en a une? Non, il est en train de me la faire petit à petit. Ce qu'on va pouvoir faire dans un premier lieu, c'est hop, remplir tout ça. Ok. Attendre la Wyvern Core. Normalement, ça devrait être bon. Wyvern. Ok. On la place ici. Maintenant, on met ça là et on fait start. C'est parti. Alors le Advanced Dislocator est très très cool. En fait, il va nous servir à nous téléporter à plusieurs endroits différents en échange d'underpearls. Les underpearls, on en a masse, on l'en crée, donc ça devrait aller. Avec le... C'est assez buggé de loin par contre. Voilà, Advanced Dislocator. Là, on a Fuel 0. Ok. Ce que vous faites, c'est que vous prenez des underpearls. Toc, 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 toc. Ok. Et on fait add fuel. Add fuel, add fuel, add fuel. Ok, on a 80 de fuel à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre un add new. Et là, on peut marquer base. On fait commit. Et là, c'est cool. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes ici, au lieu d'aller à pied, enfin, c'est si vous êtes surtout dans une autre dimension. Si vous êtes ici, vous faites clic droit et hop. Ça vous téléporte en échange d'une underpearl. Ça vous téléporte à votre point de spawn. Donc ça c'est plutôt cool. Donc make a charm of dislocation, c'est fait. Bah ça c'est bon. Ça c'est bon. Après Resurrection of the Dragon, ça faudrait qu'on le fasse avec le. On l'a déjà fait ouais, on l'a déjà fait ça. Resurrect of. Parce qu'on n'a plus les trucs de résurrection, je crois. Maintenant qu'on peut le faire en 1.10, il doit plus y avoir les choses pour comment dire? Pour régénérer le dragon, pour le ressusciter. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Par contre, on a pas mal d'autres choses qui sont cool avec Draconic, c'est qu'on peut contrôler le temps. C'est-à-dire qu'on a quelque chose du style que je retrouve, parce que ça a changé. Célestial, ah il nous faut un œuf par contre, et j'ai pas d'œuf.
J'ai pas d'œuf. Qu'est-ce qui va nous manquer? Une Nether Star. Hop. Je vais faire un œuf et on va se retrouver juste après. Donc voilà, notre Dragon Egg, c'est fait. Maintenant, si on fait ça, on a notre Celestial Manipulator. Ce qu'on peut faire, je pense, c'est le placer juste là. Parce que normalement, ça a besoin d'énergie, voilà. On a plusieurs choses. On a le time, on a le weather. Et maintenant, on peut, en fait, ce qui est cool avec, c'est qu'il a changé. Et donc, on peut dire, par exemple, time, si on lui dit, par exemple, on est quand? Là, on est le jour. Par exemple, on peut dire, mets-toi un moonset. Vous allez voir, regardez ce qui va se passer. Je me tais. Alors voilà, j'adore les animations chez Draconic maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, on va le refaire juste après pour la fin de l'épisode. Mais en fait, si vous voulez, avec ça, le time, ça fait un style d'une terre au milieu avec quelques particules. Et vous avez vu une petite boule jaune et une petite boule blanche. En gros, c'est la lune et le soleil. Et en fait, il a petit à petit, il a tourné le soleil pour qu'en fait. Il change l'heure et au lieu qu'il fasse jour, maintenant il fait nuit. On peut refaire la même chose aussi avec le weather. Par exemple, on peut dire start rain. Et là, en fait, il lance comme si c'était. Voilà. Il va créer quelque chose qui va lancer dans le ciel. Et là, normalement, il va se mettre à pleuvoir. Voilà. Et c'est vraiment. Ça, c'est vraiment cool. On peut dire maintenant stop rain. Il va refaire la même chose. Hop, il va le lancer dans le ciel, ça va éclater. Boum, voilà, on l'entend. Et là, voilà, il se remet à faire beau. Et ça, c'est plutôt cool. Donc le time, par exemple, on peut dire... on peut même stopper le... Ah non, ça, c'est pour stopper. Ah d'accord. Par exemple, on peut se mettre en moonrise. Voilà. Et regardez. Donc là, je vais parler en même temps. Regardez, ici, vous avez le soleil. Ici, vous avez la terre, on va dire. Et ici, vous avez la lune. Et regardez, elle bouge petit à petit. Elle bouge petit à petit et là en fait on va attendre. Voilà, et là on arrive ici et maintenant on est en début de nuit et ça c'est plutôt cool. Tout ça en échange d'énergie. Franchement, j'adore cette chose-là et en plus ce qu'on peut faire c'est mettre un rain sensor, et lui dire en fait que dès qu'il pleut, ça m'enlève la pluie directement automatiquement. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite épi enfin, cet épisode vous aura plu. On aura vu pas mal de choses de Draconic, notamment ce que je voulais voir en priorité, c'était la sphère de Draconic pour le stockage d'énergie. On est à 0,025%, on est à 87 millions, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, ça va charger petit à petit. On a vu cette chose-là pour se téléporter à plusieurs endroits. On a vu le Celestial Manipulator qui est vraiment cool. On va se mettre en Sunrise parce que c'est classe. Voilà, on va le laisser faire. Ça fait du bruit même au loin. J'adore. Regardez le ciel. Voilà. Donc franchement, si Draconic vous laissait perplexe, maintenant en 1.10, ces animations sont vraiment très 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 classe. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir à partager, à activer la petite cloche aussi pour recevoir des notifications quand je mets une vidéo, parce que je trouve que je fais pas énormément de vues par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Et on m'a déjà dit de dire ça en fin de vidéo, et c'est vrai. Activer la petite cloche pour les notifications quand je sors une vidéo, ça serait vraiment très sympathique de votre part. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut! Avec notre beau bonnet de Noël. Ah, on voit plus. Salut!